Has traído tu libro de texto? ¿Avez-vous apporté votre livre? La lección comienza en esta página. La leçon commence à cette page. Puedes cargar tu laptop ahí. Vous pouvez charger votre ordinateur portable là-bas. ¿Me puedes prestar una lapicera? Puis-je vous emprunter un stylo? Aquí hay papel para la impresora. Voici du papier pour l'imprimante. ¿Puedes por favor escribir un resumen del artículo? Pouvez-vous s'il vous plaît écrire un résumé de l'article? La presentación comienza a las 9 en punto. La présentation commence à 9 heures. Tengo que dar un discurso para la clase. Je dois faire un discours pour la classe. Nuestra tarea es para el viernes. Nos devoirs sont à faire pour vendredi. Tenemos que crear un equipo para este proyecto. Nous devons constituer une équipe pour ce projet. Tengo un billete de avión para mi viaje de negocios. J'ai un billet d'avion pour mon voyage d'affaires. Nuestra empresa nos manda a la convención. Notre société nous envoie à la convention. Toda la clase formará equipos de aprendizaje. Toute la classe formera des équipes d'apprentissage. Espero pasar el examen final. J'espère réussir l'examen final. Estamos diseñando un nuevo proyecto. Nous concevons un nouveau produit. Hay una reunión de personal después del almuerzo. Il y a une réunion d'équipe après le déjeuner. Necesitamos actualizar nuestro software. Nous devons mettre à jour notre logiciel. Voy a estar estudiando para el examen. J'étudierai pour le test. Deberías leer el capítulo 5. Nous devrions lire le chapitre 5. El archivo está en mi maletín. Le dossier est dans ma mallette. Puedo leer el correo electrónico en mi teléfono. Je peux lire des emails sur mon téléphone. ¿Me puedes enviar la planilla de cálculo por email? Pouvez-vous m'envoyer la feuille de calcul par email? Mi laptop está conectada a la red. Mon ordinateur portable est connecté au réseau. Ella solicita un nuevo teclado. Elle demande un nouveau clavier. Me voy de vacaciones. Je vais en vacances. El departamento de contabilidad ha contratado a un nuevo empleado. Le service comptable a embauché un nouvel employé. Mi jefe me ha dado un aumento de salario. Mon patron m'a donné une augmentation de paye. Su departamento está teniendo una fiesta. Son service organise une soirée pour les fêtes de fin d'année. La calidad es nuestra mayor prioridad. La qualité est notre priorité absolue. Por favor, pongan el papel en la papelera de reciclaje. S'il vous plaît, mettez le papier dans la poubelle à recyclage. Habrá una prueba cada lunes. Il y aura un test lundi. Comenzarás un periodo de entrenamiento de 30 días. Vous commencerez une période d'essai de 30 jours. Él estudia para ser contador. Il étudie pour devenir comptable. Nuestro equipo se comunica a través de Internet. Notre équipe communique par Internet. La empresa ha diseñado un nuevo programa de comportamiento ético. Notre société a développé un nouveau programme de comportement éthique. Nuestras tarjetas de negocio tienen nuestra información tanto en inglés como en español. Nos cartes de visite ont nos informations en espagnol et anglais. Se espera que todos los miembros de nuestro equipo de aprendizaje contribuyan de igual manera. Tous les membres de notre équipe d'apprentissage sont censés contribuer de façon égale.
Presentarás tus hallazgos a la administración mañana. Vous présenterez vos résultats à la direction demain. Estamos investigando un nuevo producto para lanzar al mercado. Nous recherchons un nouveau produit à mettre sur le marché. La empresa está produciendo una nueva línea de computadoras tablet. La société produit une nouvelle gamme de tablettes. ¿Cuánto tiempo estarás fuera en tu viaje de negocios? Combien de temps serez-vous parti en voyage d'affaires? Ella se graduará en el mes de mayo. Elle obtiendra son diplôme en mai. El nuevo semestre comienza en enero. Le nouveau semestre commence en janvier. Todos los empleados reciben 10 días de vacaciones pagas. Chaque employé a 10 jours de congés payés pour les fêtes de fin d'année. El director de la oficina dice que estamos por encima del presupuesto. Le responsable de bureau dit que nous sommes hors budget. Todos los empleados deberían sentirse libres para sugerir formas de mejorar la eficiencia. Tous les employés ne doivent pas hésiter à suggérer des moyens d'améliorer l'efficacité. Nuestro objetivo es reducir el costo de producción. Notre but est de réduire le coût de production. Cada fax que enviamos debe tener una tapa. Chaque fax que nous envoyons doit avoir une page de garde. Se espera que cada empleado cumpla con las cuotas de productividad. Chaque employé est tenu d'atteindre les quotas de productivité. Estos son los puntos de referencia que nuestro equipo debe cumplir. Ce sont les repères que notre équipe doit atteindre. Nuestros empleados se quejan de no recibir recreos adecuados. Nos employés se plaignent de ne pas avoir suffisamment de pauses. Nuestra empresa planea expandirse. Notre entreprise envisage de s'étendre. Esta planilla de cálculo muestra todos nuestros ingresos del pasado trimestre. Cette feuille de calcul montre l'ensemble de nos revenus pour le dernier trimestre.